Et hop. Alors après, il y a les mini-jeux. On va pas regarder les mini-jeux parce que c'est plus ou moins la même chose. On va faire Brand New Quest. The Forsaken Dungeon. Et après, voilà, il faut relancer le jeu si vous voulez sortir de ce mode-là. Donc on va faire ça pendant un petit moment et on va s'arrêter. Donc vous avez deux personnages. Vous avez de la femme et le mec, là. Et alors par contre, c'est un peu... On va mettre en mode normal, parce qu'on n'est pas fou combien, quand même. Putain, ça parle en plus. Bon, c'est en japonais aussi, hein, mais bon. Le jeu est extrêmement dur et punitif. C'est-à-dire que si votre personnage meurt, votre personnage va rester mort. Et après, il va falloir utiliser le deuxième personnage pour aller récupérer son âme pour pouvoir le réanimer. Et si les deux personnages meurent, c'est game over. Donc c'est un peu le Dark Souls avant Dark Souls, vous voyez ce que je veux dire? Et Wow, c'est intéressant tout ça. Après, je crois que leur histoire sont des chercheurs de trésors ou des trucs comme ça. Bon, désolé, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc, on va passer au gameplay. Alors vous voyez que par exemple ça c'était un niveau pour combattre. Donc vous voyez que le gameplay est plus ou moins pareil. Enfin plus ou moins, c'est le même système, c'est le même moteur de jeu et tout, c'est pareil. Et par contre on a un inventaire, on peut pas l'avoir là encore je crois. Professeur, ok, faut qu'on descende. C'est bien, hein. Encore, ce jeu, franchement, si ça aurait été vraiment un jeu à part entière, ça aurait pu être sympathique. Mais vu que c'est un demi-jeu dans un autre jeu, bah du coup, bah c'est médiocre. Donc apparemment, on s'est réveillé, on était dans une zone bizarre. Pause, non. Ok, c'est pour ce retour comme ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Ok, on y va. Vous voyez que là on va commander un personnage et un à la fois. Ça fait très RPG en fait. Donc il va nous apprendre à jouer, j'ai pas envie de lire. Vous avez vu quand même les vagues de texte que vous avez à lire. Alors, on y va. Les pages de texte. Ouais, c'est ça que je veux dire. La musique est sympa après, vu que c'est un RPG. Par contre, comment on... Pour l'instant, il veut pas attaquer rien. Ah, voilà, on a l'inventaire. Donc, ouais, on a de l'argent, on a le niveau, on a les HP, défense et tout ça. Donc là, c'est très, 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 très RPG, hein. On a l'équipement, on a des potions. On peut la mettre en raccourci. On a des pierres magiques. Et après, on a des matérias. Matérias de feu et de glace. Pourquoi on a des matérias, je sais pas. Alors, le problème, c'est qu'on peut pas bouger la caméra, donc c'est un peu chiant de pas savoir où on va comme ça. Marchand. On peut acheter des pierres. Pourquoi? J'en sais rien. On y va, on se casse. Oh mon dieu, putain, j'adore le jeu. Je sais pas quoi. Ah, ça monte, on y va. Je vais aller au donjon, moi. Je vais montrer un peu le gameplay. Et vous allez voir, c'est pas pourri. C'est... Comme je disais, c'est médiocre.
Ah, ça, c'est le sont les monstres. Ah, là, on peut combattre maintenant. Comment on bloque? Ok, on bloque comme ça. C'est, c'est comme Dark Souls, c'est R1. Enfin, si vous le mettez au bon endroit. Vous voyez, ce genre de système là, ça aurait pu être sympa comme jeu. Vous voyez, en plus il y a la map qui se... qui se dessine et tout. Oh la vache. Alors, comment on fait les... Comment on utilise les... Ok, on a monté de niveau. Ah oui, il faut ramasser les objets comme ça. C'est quoi ça? Où ça? Ok, là c'est pour utiliser... triangle, c'est pour utiliser les objets en raccourci. Ah, et on peut faire de la magie. Ok. Oh merde! On peut cibler une personne ou pas? Oignon. Vous voyez, c'est pas si mal, quoi. Franchement, ce système, c'est pas si mal, mais ça aurait dû être un jeu à part entière. Parce que c'est jouable. Et c'est plus ou moins fun. Bon, après, on est au début. Hein. Donc, calmez-vous, hein, calmez-vous. Hein. N'allez pas le prendre le jeu non plus. Donc c'est quoi ça, des pièges? Oh merde, j'ai utilisé la potion quelconque. Alors si je bloque... Ouais. On a une épée courte. 4, 8, 8. Ah oui, il y a la durabilité aussi. Donc pour l'instant, on va garder cette épée à la con. To trap! Wow. Pff, trop fort! Ah bon, on en a deux. Waouh! Waouh, on a d'autres combos et tout, c'est énorme. Et on vient de monter niveau 3. Vous voyez, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que au final, vous l'achetez parce que c'est un jeu avec des persos Final Fantasy VII. Parce que moi, là, pour le moment, là, ce que je vois, là, vous l'achetez parce que c'est des personnages de Final Fantasy VII et tout ça. Et vous finissez par jouer au second jeu, si on peut appeler ça un second jeu, à ça parce que c'est beaucoup mieux que le jeu de combat. C'est un peu débile, quoi. Yeah, nous a remis les HP et tout. Je sais pas ce que c'est la barre en dessous de notre vie. J'ai l'impression que c'est la barre de fatigue ou un truc comme ça. Parce que l'endurance, elle part de plus en plus. Enfin, cette barre descend de plus en plus au fur et à mesure que j'avance. Fou, j'ai bloqué à temps, quoi. C'était magnifique. Ça aurait pu être une sorte de Diablo, en fait. Où est-ce qu'on est ?
Oh la vache. Ah, il faut un peu plus mal par contre. Et ils vont me défoncer la gueule. And axe. On peut... Oh oui. Ah, c'est vrai que ça, de mettre un son comme ça quand on est pas en vie, ça c'est vraiment top ça. Ouais, je crois que c'est l'endurance. Ah, ça c'était vraiment intelligent de mettre un son comme ça. Ah oh, putain. C'est là qu'il a eu l'idée de faire ça. Oh la vache. C'est le même qui a travaillé dans Zelda, je pense. Yeah. On a eu quoi? Yeah. On retourne à la ville. On peut aller soigner, je sais pas du tout comment ça marche. Bonjour. Alors, on me donne toute l'argent. Et je crois qu'on pourrait... Good job, change, cancel. On peut changer de personnage du coup. Je vais voir si elle a... Si l'autre il a récupéré sa vie ou pas. Énorme, il a récupéré sa vie. C'est énorme. Basique, magique ou ultra? Ah, ultra c'est quand on reste appuyé et basique c'est quand on tire. Donc on va tirer des boules de feu et en ultra ça sera la glace. Il y a du potentiel. Vous voyez le problème de ce truc c'est que ça a du potentiel. Ça a grave du potentiel. Pour un jeu de l'époque, hein, je parle. Maintenant, c'est un peu, ça sera un jeu sur téléphone, quoi. Mais ça a du potentiel, mais bon, voilà, quoi. Ça avait pas été vendu comme ça. Alors, on tire des boules de feu et quand on fait l'ultra, c'est de la glace. Par contre, la boule de feu, elle va pas loin. Ah, mais on peut geler comme ça avec l'ultra. Ah, sympa. Saké. On a du saké. Putain, c'est ce que j'en voudrais bien maintenant. Yeah. Boum boum le feu. Secondes après l'usure, on va mettre là ça. Ça. Ça, c'est un bouclier, mais lui il est protégé ce bouclier, je sais pas pourquoi. Ah, il est protégé par un garde, par un esprit apparemment. Oh, attends. Ah non, c'est des points! Pardon. Ouais, Knuckle, pardon. Même du coup, on aurait plus le... On aurait plus le bouclier, mais bon, c'était pas très très utile le bouclier. Parce qu'il met tellement de temps à le lever, de toute façon. Et du coup, comment on change de... Ah, comme ça, ok. Par contre... Wow, waouh. Oh, il y a différents coups et tout, ça pète! Je régène de la vie, apparemment. Oh, mimique! C'est un mimique! C'est énorme!
Martin Mimic. Pierre Belonging. Recipe. Ok, c'est une recette. Ça appartient à Pierre. Ok, on se casse. Bob, bob. Oh la vache, tu m'as touché. Honnêtement, ça pourrait être un jeu auquel je jouerai jusqu'à la fin, quoi. Parce que c'est limite fun là pour le moment. Ah, j'ai cassé mes armes. On va prendre celle-là. C'est vachement bien ce système. Il y a plusieurs coups à faire en plus. On a une flèche qui... Je crois que c'est pour indiquer le portail qu'on a ouvert. On va voir. Ah non, c'est pour aller à la suite. C'est vrai que nous, on s'était arrêté là. Parce que les ennemis étaient un peu trop forts. Honnêtement, je suis en train de m'amuser là. Étrangement. Étrangement, je suis en train de m'amuser. Oh mon dieu, comme je le défonce. Ah, on peut se protéger aussi. Avec les knuckles. On a un casque. Cool. Il y a tellement d'objets à récupérer, c'est abusé. Un peu bizarre ça par contre. Oh, je crois qu'on va être limité dans l'inventaire, on m'en avait parlé de ça. L'inventaire est une catastrophe apparemment. Ça les met en feu, en fait. Par contre, avant qu'on tombe dans les pommes, on va faire ça. Oh, la blague, on peut pas. En combat. Ah ouais, du coup ça rend le jeu dur en fait. Oh la vache. Ah ouais, pas mal en fait ce système, d'accord. Alors vous voyez que là, ben là en fait dans un sens c'est pas mal comme ça. Ça me forcera à stopper déjà. Et ça vous montre en fait. Donc du coup maintenant on recommence avec elle. Donc là elle a pas d'objet. Est-ce qu'elle a toujours le portail? Non, le portail il a disparu vu qu'on vient de le réutiliser. Et du coup elle a rien elle par contre. Donc en fait je pense que le mieux pour jouer, enfin franchement je donne des conseils mais bon je vois personne vraiment jouer à ce jeu, mais en gros si vous voulez bien y jouer il faudrait oh bien mais à droite et gauche qu'on a... on a même pas fait droite et gauche. Il faudrait stuffer les deux en fait. Comme ça c'est plus facile.
Parce que là, elle a du mal, hein. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'objets, rien, on n'a pas de soins. Oh mon dieu. Je les tue pas assez vite en fait, je crois. Oh mon dieu! Yes, j'ai une épée. Ah mais là on va en chier hein, on aurait dû tracer en fait. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que... Oh mon dieu, nique ta maman. Nique ta maman. Ah, ça y est, je crois qu'ils vont plus apparaître parce que le bouton, il est plus là, là, le truc sur le sol. Ça, c'est à chaque fois que le monstre le touche, je crois. Non, là, j'ai rien dit, d'accord. Waouh, ok, on va crever, quoi. Et du coup, en fait, vous allez être dans la salle où c'est que le premier personnage est mort. Et il y aura tous les objets par terre. Mais alors, tous les objets qu'il avait dans l'inventaire, en fait. Et c'est là que ça commence à devenir un cauchemar, en fait, par rapport à l'inventaire. Et après... Oh putain, on va y arriver. Yes! Et On va prendre ça. Et du coup... Oh mon dieu, ce bruit. Et du coup, il va falloir aller dans la salle, donc récupérer tous les objets et tout ça, si on veut. Et merde. Et après... vous allez pouvoir ressusciter, parce qu'il y a son âme par terre, en fait. Il y a son âme par terre, donc on va pouvoir le ressusciter. Et c'est comme ça que vous jouez. Si les deux personnes meurent, comme j'ai dit, c'est game over. Donc c'est sympathique. Ah ouais, on est allé loin quand même. Ce sont des pièces d'or dans le mur. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Et voilà, c'est là. Oh mon dieu, les dégâts qu'il fait, lui. Yes! Koji Spirit, voilà, c'est ça. Oh! Oh, on est mort. Non, je prends tout. Hop là. Cassos, Cassos. Merde, Cassos, Cassos. Yes. Là, on est bon. Plus 3. Donc on peut équiper ça. Après, on a ça. On peut mettre ça. Quoi ce son, là? Il a l'air en retard, en fait, par rapport à ce que je suis en train de faire. Voilà. Et on utilise ça... pour revenir. Et normalement, on peut utiliser son âme. Je sais pas comment on fait, hein. Je me demande. C'est pour donner l'argent. Ah, ça y est. Ok. Donc du coup, il est encore en vie.
Et il est niveau 4, il a gardé son niveau et tout ça. Donc voilà, vous pouvez continuer. Bah, trop bien. On va s'arrêter là. Donc c'était Airgaze. Ouais, c'est un jeu médiocre, je peux pas le conseiller du tout. Après, si vous voulez vous amuser comme ça pour passer le temps, pour expérimenter, allez-y. Le gameplay dans ce mode de jeu est ok. Mais le mode de combat, là, tout ça, il est atroce. Les personnages, enfin, certains personnages sont complètement pétés par rapport à d'autres. Vous avez vu avec Zephyroth et tout ça, alors que le jeu, j'y avais pas joué depuis 20 ans, et j'ai défoncé, j'ai fini le boss et tout ça. Bon, bref. Donc voilà. Vraiment, enfin, c'est sympa, marrant de retomber dans des jeux comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que Square a pu le vendre, c'est en rajoutant des personnages de Final Fantasy VII. Voilà. C'est con parce que ce mode de jeu là, de donjon, là, il aurait pu être vraiment bien. Alors, en tout cas, ce sera tout pour cet épisode du jeu du passé. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà connu ça, ou alors si vous avez d'autres jeux en tête. Le prochain, je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. On verra. Allez, à la prochaine, salut. Merci beaucoup d'avoir regardé et bon week-end. Ciao, ciao.